Infos du sport, je suis le président de Quatre-Rivières. Alors, aujourd'hui, une défaite 4-1 face à Morteau. Oui, une défaite logique. Je veux dire qu'on est tombé contre une belle équipe, une équipe qui était plus forte que nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il faut savoir admettre sa défaite et puis souhaiter bon vent à Morteau pour la suite. Mais on est tombé contre vraiment une belle équipe de Morteau. Et puis nous, aujourd'hui, on était un peu moins bien, contrairement à la semaine dernière. On n'a pas réussi à enchaîner. On a beaucoup de pertes de balles. Et puis dans l'impact physique, on n'a pas su répondre présent. Donc rien à dire, simplement féliciter cette équipe de Morteau qui est une très belle équipe et qui, je pense, accédera en fin de saison. Ah ben, merci. Bonsoir Thibault pour les infos du sport, chacun joueur de Morteau. Alors aujourd'hui une belle victoire, 4-1 face à Quatre-Rivières. Oui, ouais, une belle victoire. Difficile à aller chercher, même si le score paraît sévère. On prend ce premier but qui nous fait mal en début de deuxième mi-temps alors que... On fait une bonne première, on n'est pas récompensé sur nos temps forts. On prend ce but et derrière on a la chance de réagir vite, on égalise. Et derrière on a senti que physiquement c'était un peu plus dur pour eux. On a marqué 3 buts de plus, mais voilà, je pense qu'ils méritaient peut-être pas autant que 4-1. On a été réaliste en deuxième mi-temps, et c'est ce qui fait la différence. Quoi. Ah, aujourd'hui, Lons, Morteau, qui c'est qui va aller chercher cette première place? Ça peut encore, mathématiquement, ben voilà, c'est jouable, on les reçoit. Tout dépend du résultat de la semaine prochaine. On verra. On fait une bonne saison. Lons aussi fait une très grosse saison. On a eu un passage à vide au début de deuxième partie de saison. Ils ont été hyper forts à ce moment-là. On verra. On espère pouvoir encore jouer la première place, mais ça se jouera sur le match chez nous. Merci.